fout le feu à la maison, je touche la prime d'assurance et comme ça je rembourse les 20 000. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pas du genre à faire ça à ta femme. Et puis t'es pas du genre à payer l'assurance non plus. Alors oublie. J'ai presque plus de femme. Tiens, au fait, toi, ce soir, tu ne devais pas sortir avec ta poule, non? T'as foiré? Oui, c'est foiré. Pourquoi ça foiré? Pourquoi ça foire tout le temps? T'es gentil, là. Je vais organiser un concours international de pétanque le 21 juin à Béziers. J'invite tous les joueurs, amateurs, professionnels, dans nos villes, dans nos campagnes, inscrivez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Et pour le gagnant, je vous propose 500 000 euros. 500 000 euros, quand même. Ça, c'est pour nous, maman. Quoi? Écoute, attends, finis les combines. Le voilà, notre gros coup. Il faut se présenter. Qui, toi? Bon, enfin, imbécile, abruti. À ton avis, de qui je parle? T'as plus envie de devenir un champion? Demain, tu t'inscris, après, je te lâche plus. Je vais t'entraîner, mais je te préviens, tu vas souffrir. On n'a pas beaucoup de temps. On n'est pas en train de rêver, là, Jackie. Rêver, moi, non. Non, non. J'ai pas le temps de rêver, moi. Allez, mange. Ça, c'est magnifique. La Thaïlande est revenue au score dans cette finale. Mais la France compte un atout majeur, son tireur, son canonnier, Mokhtar Boudalidi, Momo. Il se place dans le rond central. Il vise la boule avec son bras. S'il fait un carreau, la France est championne du monde. La foule l'acclame. Mo. Il va pour tirer. Il arme son bras. Blah! La boule s'envole. Elle s'envole. Paf! Carreau! Ouais! Carreau des carreaux! Paf! La France est championne du monde!